Lui qui est passé par Rennes, qui est passé également par Clermont, très jeune joueur, avec une trajectoire assez particulière. Il nous a accueillis chez lui, en Andalousie, à Grenade. C'est Clément Chauveau qui a eu la chance d'aller le retrouver. Vous allez voir ce garçon d'une gentillesse assez incroyable et au parcours si particulier. Yacine Brahimi qui nous ouvre les portes de Grenade. Clément Chauveau, montage, Béatrice Marcos. Les somptueux palais de l'Alhambra devant la Sierra Nevada. Au coucher de soleil, Grenade est une carte postale. Yacine Brahimi a posé ses valises ici, dans une ville remplie d'histoires, pour retrouver le fil de la sienne. Salut, bienvenue chez moi. Entrez, hein, faites comme chez vous. Donc voilà, là c'est le salon. Mon père. Bon voilà, on se dirige vers ma chambre. Je pense que c'est un peu le bordel, mais bon, c'est pas grave. Voilà ma chambre. C'est plutôt simple. Son début de carrière, en revanche, est du genre compliqué. Formé à Rennes, Brahimi est annoncé comme un futur crack, mais sa saison dernière rime avec galère. Blessure, temps de jeu insuffisant à son goût, le joueur demande à partir. C'est insupportable d'entendre « je ne veux plus jouer pour le Stade Rennais ». Moi, j'ai envie de lui dire « mais qui es-tu, toi, pour dire ça ?» Non, c'est vrai que je suis quelqu'un assez d'impatient. Après, comment dire, je pense que la patience a des limites. Les clubs, les coachs font leur choix. Voilà, moi, je l'ai accepté. Voilà, j'ai juste préféré partir pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir avoir du temps de jeu. Donc c'est le cas ici à Grenade, c'est l'essentiel. Et voilà, et je travaille pour le futur, quoi, pas pour le passé. À 22 ans, son quotidien se conjugue donc à Grenade. Nous sommes le 1er février, le thermomètre affiche presque 20 degrés. Ici, Yacine a trouvé du soleil et des coéquipiers francophones qui ont facilité son adaptation. Ouais, ça va quoi ? Ah bah franchement, ça s'est super bien passé, hein, grâce à des gens comme Hassan Ebda, comme Youssef El Arabi, Pape Diakaté, qui m'ont permis de m'intégrer plus rapidement vu que je parlais pas encore très bien espagnol. Alors aujourd'hui, Yacine prend des cours 3 fois par semaine. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Par exemple, Youssef El Arabi, il est là depuis plus longtemps et il comprend pas autant. Donc, non, il s'est vraiment bien adapté. Hola, ¿cómo estás? Saludo a la gente de Bein Sport. Si le petit milieu de terrain a le sourire, c'est qu'il a retrouvé du temps de jeu. Depuis le début de saison, il a déjà 15 matchs de Liga au compteur, dont 13 comme titulaire. Alors quand la famille Brahimi descend à Grenade, elle retrouve un jeune homme heureux. Je le trouve bien. Il a retrouvé le sourire. Donc ça, c'est important. Ça se voit sur son visage. On voit qu'il est heureux d'être là pour plein de raisons. Après une période pas facile. Ici, tout est plus simple pour Yacine Brahimi. Dès son arrivée en Andalousie, il s'est mis tout le monde dans la poche. C'est un joueur qui a gagné le poste depuis qu'il est arrivé, avec son rendement. Il a surpris beaucoup. Como está jugando y con Anquela, que era el que estaba de entrenador en el Granada, pues ha sido un jugador muy importante. Yo creo que sí podemos tener aquí un gran jugador. Era una máquina. Muy bueno, muy bueno. Pues bueno, tiene buena técnica. Me encanta, me encanta. Desde que vino se ve el Granada mejor jugando. Sachari, y en a qui l'appelle Yasmin. À la place de Yacine, mais bon, ça c'est pour charrier. Ouais, ceux qui ne savent pas dire Yacine, ils disent Yasmine. Hola, Yasmine. Bien. Comment allez-vous ? Yacine ou Yasmine, peu importe, les supporters sont tombés sous le charme de sa technique. Mi-janvier, le franco-algérien était même sur le podium des meilleurs dribbleurs de Liga. Ce joueur, c'est un phénomène. Voilà, franchement, c'est techniquement parlant, c'est du très haut niveau. Et du coup, à la fin du match, j'ai été le voir. Et je lui ai posé la question, comment t'as fait avec les qualités que tu as, en gros, pour te retrouver à Grenada, quoi. Il m'a dit, ça s'est fait rapidement et voilà, quoi, c'est le destin. Yacine rêvait d'un parcours moins chaotique, mais son entourage positive. En 6 mois, il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer en Liga. La belle histoire, en tout cas pour lui, mais aussi pour moi, c'est de se dire qu'il y a quelques mois, il était en réserve à Rennes et que c'était compliqué, quoi. Ce soir, Grenade accueille le Real Madrid. Dans la semaine, Juan Antonio Anquela a été remplacé par Lucas Alcaraz, un entraîneur à la réputation plus défensive.
Et ce soir, mauvaise nouvelle pour Yacine, il restera sur le banc. Son équipe s'impose 1-0 et remporte une victoire capitale dans la course pour le maintien. Yacine, lui, ravale sa déception. Voilà, c'est comme ça. Le coach a fait ses choix, voilà, c'est tout. Está por ver si con el nuevo entrenador, con Lucas Alcaraz, Brahimi va a ser capaz de hacerse con un puesto, ¿no? Pienso que es un gran jugador y que yo creo que su calidad va a ser suficiente. Creo que aquí en Granada estamos muy contentos con él y evidentemente va a ser una pieza fundamental en conseguir el objetivo. Aujourd'hui, l'avenir de Yacine est suspendu à une option d'achat fixée à 4 millions d'euros. Le club de Grenade a l'air de vouloir l'option pour l'instant. Matériellement, ça ne s'est pas fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est prêt à Grenade. Et l'année prochaine, il revient à Rennes. Moi, mon souhait, il est clair. Mon souhait, il est de ne pas revenir à Rennes. Après, voilà, après, comme j'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. À la fin de l'année, voilà, on fera les comptes et on verra comment ça se passera, quoi. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Yacine a clarifié sa position concernant la sélection. Alors qu'il compte 9 caps avec l'équipe de France Espoir, il a officiellement choisi les couleurs de l'Algérie. Brahimi espère porter le maillot des Fenech pour la première fois, le 22 mars prochain, face au Bénin. Bon, à bientôt, merci pour tout, Bénin, et à bientôt. Et on remercie chaleureusement Yacine de nous avoir ouvert les portes de chez lui. Information qu'il nous a livrée il y a quelques heures auprès de Clément Chauveau. Yacine choisit l'Algérie. Il choisit de porter le maillot de la sélection algérienne, un choix de cœur. Il se dit porté par cet élan et on lui souhaite un bon anniversaire. Demain, bon anniversaire à Yacine Brahimi. Toutes les autres informations de la planète football et notamment...